l'art et du patrimoine de Châtenay-Malabry. Donc nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de votre exposition qui s'intitule Nature urbaine, donc de vos œuvres qui sont ici présentes dans cet établissement jusqu'au 4 septembre. Mais tout d'abord, parlez-moi un petit peu de vous. Qui êtes-vous ? Alors je suis artiste, sculpteur, photographe, dessinatrice. Je suis artiste depuis à peu près 10 ans. Période à laquelle je suis sortie de l'école des Beaux-Arts de Versailles. J'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait les études classiques, travaillé 10 ans en entreprise, même si lorsque j'étais jeune, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer aux Beaux-Arts, chose que j'ai fait plus tard, à l'âge de 30 ans. Et depuis la sortie des Beaux-Arts, je travaille aussi bien la sculpture, la photographie, le dessin, trois médiums que j'aime mêlée pour faire rentrer le regardeur dans mon monde un petit peu mélancolique. Alors justement, quel est votre monde? Quelles sont vos sources d'inspiration? Parlez-moi un peu plus de ce monde artistique. Alors j'ai grandi en ville nouvelle, à Saint-Quentin-en-Yvelines, une ville assez bétonnée, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Forcément, en tant qu'enfant, on aime forcément les lieux où on grandit. Mais des lieux où il n'y a pas forcément d'histoire, des bâtiments qui sont vite construits, où la présence du patrimoine n'est pas forcément là. Et donc j'avais envie de raconter à mon environnement proche une nouvelle histoire. Et c'est comme ça que je suis allée vers le béton, le matériau dans lequel j'ai grandi, on va dire. J'avais envie de travailler ce matériau-là. Et c'est vers là où je me suis orientée également vers la ruine contemporaine, de manière à travailler justement cette approche du passé dans notre présent, dans mon présent. D'accord. Et bien justement, nous avons une œuvre devant vous qui s'appelle Autoportrait numéro 2. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors, cette œuvre-là, c'est la plus ancienne de l'exposition qui est présentée. C'est une œuvre que j'ai travaillée il y a une dizaine d'années et qui fait partie d'une série de trois autoportraits. Donc c'est la deuxième. Et donc ce sont des visages, mon visage. Il y a également un petit peu de pigment qui vient colorer quelques plaques de béton. En fait, la première œuvre, autoportrait numéro 1, ce sont un ensemble de visages qui sont placés sur une grille de fer à béton. Et l'autoportrait numéro 3, ce sont des visages qui sont en empreinte et en relief sur un grand mur qui est composé de 16 gros blocs de béton. Et c'est une série qui présente un peu un parcours de vie. Vous avez pris à peu près combien de temps pour sortir cette série-là? La réalisation même d'une œuvre peut mettre 3-6 mois, mais par contre la réflexion avant d'arriver à cette œuvre-là peut prendre plusieurs années. Ça fait 10 ans à peu près aujourd'hui que je travaille avec ces matériaux. J'essaye de leur raconter une histoire particulière. Et à chaque fois, il y a un temps de réflexion, d'essai, qui est difficilement chiffrable. Alors, donc, Nature urbaine, c'est votre exposition. C'est beaucoup des sculptures, mais c'est aussi des dessins, comme celui-ci derrière moi. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors, j'ai toujours dessiné, mais je n'ai jamais présenté ce travail. C'est quelque chose de nouveau et j'ai commencé cette série il y a maintenant 18 mois, au début du premier confinement. J'avais envie en gros de me poser, de travailler longtemps sur des sujets relativement simples, comme pour revenir à l'essentiel, à une période de temps où tout était distendu. Et donc j'ai commencé à travailler au crayon graphite et à la pierre noire. Donc ici c'est un dessin en pierre noire qui reprend mes sculptures. Donc c'est un buste qui est recouvert par du végétal. Le végétal qui est très présent dans l'esthétique de la ruine en fait. En peinture classique, le végétal revenant sur la ruine annonce pareil un nouveau départ. Voilà. Donc c'est un travail qui est très long. Pour réaliser un dessin comme celui-ci, il me faut à peu près 40 heures.
Et j'avais besoin en fait de ce moment-là il y a quelques mois, et aujourd'hui je prends vraiment plaisir à le faire et je continue à dessiner. Alors je vois aussi en plus dans cette salle qu'il y a des photographies, et d'ailleurs je me suis demandé si c'est pas un peu de l'urbex. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Alors en fait je fais pas de l'urbex. L'histoire avec la photographie, ce sont essentiellement des rencontres, ce sont des photographies qui sont très spontanées. Je ne vais pas à la recherche d'un lieu, c'est souvent le lieu qui vient à moi suite à une rencontre, à une expo dans un lieu où je suis hébergée chez quelqu'un qui me dit j'ai un endroit à te faire découvrir qui va t'intéresser. Donc je déambule dans le lieu et je fais des photographies rapidement dès que quelque chose interpelle mon regard. C'est ce qui permet en fait d'avoir cette couleur dans les photographies. Ce ne sont pas des lieux qui sont repérés, ce ne sont pas des photographies qui sont faites sur pied avec un cadrage qui est arrêté. C'est vraiment mon regard spontané et instantané au moment où je découvre le lieu. Voilà. Ah, très bien. Et donc du coup, pour finir cette interview, où est-ce qu'on peut vous découvrir prochainement, peut-être virtuellement aussi? Alors j'ai un site internet sur lequel vous pouvez découvrir mon travail de sculpture et de photographie. Pas encore les dessins, ça ne devrait pas tarder. www.caroline-laïd.com et j'ai ma prochaine expo qui aura lieu à Dampierre-en-Yvelines, en Vallée de Chevreuse, à l'espace Grange Galerie, au début octobre. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Caroline pour cette interview, et j'invite vraiment tout le monde à voir cette exposition Nature Urbaine au pavillon des Arts et du Patrimoine à Châtenay-Malabry. Merci beaucoup. Merci à vous.